Voilà, nous sommes à la sortie du cadre de Casa. Sortie de Casa. Donc, sortons maintenant de Casa. Sortie de Casablanca. On nous a donné la définition de nom de Maroc qui veut dire le coucher du soleil. Coucher du soleil. Il y a la définition en arabe. Ça veut dire coucher. Casablanca, c'est quoi? Casa blanche. La maison blanche. La maison blanche. Oui, Casablanca. Casablanca, la maison blanche. Belle. Là, c'est l'autoroute, hein. L'autoroute qui nous conduit tout droit à Rabat. Et ce pays ne vit que de l'agriculture, c'est tout, hein, et du tourisme. Voilà, phosphate. Ce sont les premiers producteurs. Non, des premiers producteurs, non. Les premiers producteurs. Où ils se battent, voilà. Phosphate. Ils ont de là-bas qu'ils ont leur richesse. Ouais, le front pour les saluer, on n'entend plus parler des gars. Ouais. Ils leur ont encore fait une certaine idée. C'est la sortie, hein, sortie des Casa. Ils sont déjà, on a déjà traversé Casa. On a déjà sorti en Casa. On a Ouais, vous voyez, très belle ville. Hein. Il ne vit que, ici, ce pays ne vit que de l'agriculture, du tourisme. Ils sont les premiers producteurs de phosphate. Phosphate. Voilà, donc la Côte d'Ivoire se fait même mieux que ça. Voilà, nos ressources sont plus puissantes. La Côte d'Ivoire est plus riche. Riche, mais regarde, le pays est développé. Il est très développé. Mais ça dépend des zones. Un peu comme Andiab, il y a des maisons. Par exemple, à Casa ici. Casa centre. Vraiment le pays est développé quoi. Il y a des usines aussi hein, ici. Ils font aussi des ils montent aussi des voitures ici. Oui, c'est la Logan là, c'est le taxi ici. Oui, c'est ça. Ah, c'est ce que le gars nous vient d'amener quoi. La Logan. Ah, Casa est costaud, hein. C'est balèze, quoi. Voilà.
pas et les pays en sont. Gaza est vaste, hein? Grande ville. Ouais, nous sortons maintenant du Gaza, c'est ça? Toujours en chantier. Hein. C'est un beau temps aujourd'hui. Voilà, nous sommes en train de sortir de Gaza. C'est un pays développé. C'est un pays émergé.
sortir de Casa. Voilà. Nous allons pouvoir là-bas. Les grandes séances de délivrance, de prière, les gens nous attendent pour recevoir l'évangile de